Dominicain yo bon côté pa yo monter pression. Tension augmenté bon côté nous-mêmes en tant que haïtien qui prend pris ça sous rivière massacre là pour nous arroser 3000 hectares de terre dans bas plein Maribaou. Haïtien Fremsom qui dans département Nord-Est. Je dis à nous gain intérêt pour nous prêter ma attention non parce que me gain information pour nous. Luis Abinadel prend la parole sous tribune Nations Unies hier devant Ariel Henry qui soi-disant représentant pays d'Haïti dans l'Assemblée générale Nations Unies dans New York 78e Assemblée générale. Luis Abinadel prend la parole. C'est comme si m'tadou, c'est président il là. Son est cap dirigé 12 ou bien 22 millions habitants. C'est président de l'île, c'est Jean-Pierre Boyer Kelier. Ariel Henry, c'est juste un représentant que le mettait dans le pays d'Haïti, mais il fait éviter pour venir dans l'ONU, pour venir assister, cap manquer premier peuple noir qui est libre et indépendant sous terre ça. Dégâts. Luis Abinadel fait un dérespectant hier devant yeux le monde entier. Malheureusement, nous pas un représentant. Malheureusement, nous pas un gouvernement qui élu démocratiquement pour nous voter, pour nous voyer à représenter nous dans l'ONU. Hier, moi senti indigné. Moi senti un problème et hier moi ouais, dominicain a fêté. Ça fait mal en pile. Ça fait mal en pile pour moi. Dominicain a dit Luis Abinadel te gen une rencontre avec président Kenya sous stratégie yo pral développer pour garder comment t'va résoudre crise et sécurité dans pays d'Haïti. Mais yo pas mentionné non et que la République dominicaine impliqué dans gangsterisation pays d'Haïti. Et mais jodi hein, raison qui cause Luis Abinadel à laisser monter volume nan dans développer des relations diplomatiques avec pays Kenya pour garder comment que pays Kenya t'va avancer avec intervention militaire, c'est une façon pour capable désarmer MCB Sapio. Mes amis, mes paroles là. Parce que pour le moment, le gouvernement Ariel Henry n'est pas capable de demander MCB Sapio de mettre les armes ou du moins révoquer, arrêter quitter nos meilleurs. Il n'est pas capable. Ça veut dire que, quelle que soit la décision que Ariel Henry prend, nous ne pouvons pas reconnaître lui. Et de fait, la tourner contre lui. Et pourquoi ça passe? Luis Abinadel érigé en véritable président, il l'a cherché soutien communauté internationale, là, à savoir l'ONU. Pour capable venir essayer attaquer nous ou du moins venir faire bouche dans cause ya et pour t'avoir fait pour t'avoir renforcé Ariel Henry et Luis Abinadel pour t'avoir fait nous mêmes comme peuple haïtien qui a pris prise ça sous revient massacre là fait back m'a dit Luis Abinadel c'est bien compté et mal calculé et déjà nous toujours dit nous c'est seul peuple sur la terre nous pas accepter moun provoquer nous et ça on fait là ou pral payer le très cher et de fait ou pral wel ou fait clôturer barrière là ou fait fermer barrière page chaîne nous même nous pral garder nous n'a souder et n'a prend disposition pour nous souder peuple haïtien hier encore nous te fait Noël la République dominicaine voyons une délégation alors gouvernement dominicain hein? Voyons une délégation ministre travaux publics dominicain voyons une délégation débarquer pardon sous canal rivière massacre bacolodeur, ingénieur, technicien, l'armée, tout corps qui a gagné, qui ça vous fait? Il y a un canal qui a abandonné. Et pas abandonné seulement, non? Il y a un canal qui a été bouché. Par le fait que le canal ça, l'eau était qu'on tellement venu à force, il était qu'on a inondé, il était qu'on a envahi, ça nous a capable de pas de vie. Il n'y a pas de bon pour vous, mais il était venu condamner. Et pourquoi ça a passé? Nous t'ai dit nous ça avant hier. Et nous voulons nous renoter ça. Ma priorité, ça, même ça me dit. Selon toutes les informations que nous avons gagnées, André Michel avec James Cadet a une rencontre. Dans la rencontre, ça nous a dit, est-ce que la Dominicanie, pas une stratégie pour ta dévier le canal là, pour voir le canal là sous Bopayo, pour éviter le rivé, côté n'a pris prise là, sous le massacre là. Mes amis, tendez-vous, oui, peuple haïtien. André Michel a rencontré ambassadeur dominicain. Selon l'information que je gagne, rencontre ça n'est pas fait en public. Première rencontre, nous avons fait une photo que vous avez faite. André Michel a rencontré ambassadeur dominicain encore une fois dans Pétionville. Là. Tant de peuple haïtien. C'est bientôt qu'on parle. Après rencontre ça,
c'est compléter. Président dominicain a besoin de compléter le discours qu'il a fait à l'ONU. Mais ça m'y tente, papa haïtien. Parce que de ce rivière massacre là, lui, ça n'a pas qu'on a rien là-dedans. Je veux nous dire ça. C'est deux ultranationalistes dominicains qui investissent dans le secteur agricole en Dominicanie, qui ont fait gros l'argent sous nos pays haïtiens, et si nous sommes capables de répéter, plus passer 3 millions de dollars américains chaque 24 heures de temps dans le pays d'Haïti, sous nos pays haïtiens, entendez bien, oui? Plus passer 3 millions de dollars américains par jour sous nos pays haïtiens, par année, nous avons fait dans le produit agricole seulement plus passer 400 millions de dollars américains. Fais un calcul pour eux. On nous fait 3 millions. 3 millions de dollars américains par jour, multiplié par 30 jours. On nous prend, tenez bien. Il m'a dit, parce que c'est seul dimanche seulement, peut-être, marché n'a pas tellement ouvri. On nous essaie de dire, par exemple, si nous retirons 4 jours, on nous essaie de dire, par 26, par exemple. Par 26, multiplié par 26. Par 26, par 26. Ça veut dire que chaque mois, la Dominicanie fait, ça veut dire, je parle de nos deux marchés formels, oui. Marché formel, oui. Ouais, parce que ici, c'est le monde qui met contrebande. Et Dominique remet ça. Ça cause d'amour, non? Parce que vous avez un coquin, non? Vous utilisez le pour faire coquin par tout. Chaque 26 jours, Dominique fait 78 millions de dollars américains dans le marché formel. Tenez bien, oui? Dans le marché formel. Ouais, ça cap passé dans contrebande. La fè n'importe toi la valè ça ou pas ta fond idée. En avance, quitte m'avance. Venez que ça a mette pression sur Luis Abinadel. Par conséquent, pour même dossier rivière massacre ça, là maintenant, nous sommes en 2021. Gouvernement dominicain qui gagne en tête Luis Abinadel, avec ministre affaires étrangères qui c'est Roberto Alvarez, il était signé une déclaration conjoint avec gouvernement dominicain qui était représenté par président Jovenel Moïse et Dr. Claude Joseph comme ministre affaires étrangères. Écoutez bien, peuple haïtien. La Dominicanie a accepté que, et que prise ça, que le gouvernement haïtien prend sous canal rivière massacre, il n'y a pas dérangé. Et normal, selon le traité que Haïti signé avec la République Dominicaine en 1929, et que traité, alors, rivière ça, c'est une rivière qui est capable d'utiliser de manière équitable. Ça veut dire que, de manière comme si Dominique est capable d'utiliser le, moi, je suis capable d'utiliser le tout. Je veux payer, attendez et comprenne. La Dominicanie utilise rivière là. Mais son rivière qui prend naissance la caille, non? Qui n'a pas de problème du tout? S'il prend naissance la caille, moi, il passe sous territoire pas ou? Il passe sous territoire pas, là, il finit sous territoire pas ou? Nous signons pour ça, nous sommes traités. Ok? Pour nous capables d'utiliser, comme si nous avons un ami. Rivière, premier passage qu'elle fait, là, elle sortit côté nous. Elle tombe sous bord dominicain, elle prend 11 prises isolées. De 1929 à 2017, le président Jovenel Moïse monte, nous votons qu'on prend prise isolée. De 1929 à 2018, nous aussi avons pris prise isolée. En 2013-2014, le gouvernement ici qui était pensé à propre soli, mais quelque part, il était tellement gagné Green Zone au Carrefour, il était tellement gagné intérêt à la Dominicanie, et le gouvernement s'est quitté là avant, la Dominicanie était financière, et bien ultranationaliste et investisseur qui investit dans le secteur agricole de la Dominicanie, il était fait mater, il fait back. Et quelque part, effectivement, il était fait back, oui. En avance, Jovenel Moïse était venu coller dans le bagage là. Il a fait pression sur Dominicain. Alors, Dominicain, ultranationaliste, qui c'est Zami Mateli, qui Mateli gagne intérêt ensemble avec eux, qui a fait bien ça avec eux, ils ont demandé Mateli pour faire Jovenel Moïse stopper le projet. Jovenel Moïse dit pas question de camper, faut que les paysans jouent de l'eau. Il y a un boycottage qui fait le projet. Jovenel Moïse vient utiliser une autre stratégie pour le projet continuer. En 2021, Jovenel Moïse dit la psyché adelante, pression faite, et puis deux gouvernements au Chita, ils ont accord pour que le canal continue. C'était Luis Abinadel. Avec qui te bah, charge avec ministre affaires étrangères qui signe traité ça. Oh oh, mes amis. Est-ce que nous connaissons même Luis Abinadel ça? Avec même ministre affaires étrangères ça? Dit que le travail n'est pas bon pour vous? Travail n'est pas bon? Ah, il ne sait pas qu'il doit pas qu'il doit pour utiliser comme Simdadjou Rivière là. Pendant que nous avons traité qui signe sous ça. En 2021, nous jouons à cause sous ça. Qui s'est passé? La Dominicanie
vin ouè clairement volume l'argent que y a fait avec haïtien nan produit zè nan produit poule nan produit manger qu'est-ce qu'a planté tant de bien oui dominicain pour construire femme nan qu'est-ce qui travaille pour lui nan construction femme nan haïtien qu'est-ce qui construit femme nan haïtien en dedans qu'est-ce qui installe toute bagaille net haïtien ça m'a parlé de femme qui gen poule là dans lui poule là m'a parlé ça haïtien mettez poule là dedans haïtien qu'est-ce qui prend sorti poule yo haïtien tendez bien oui peuple haïtien le poule yo ponze yon. Qu'est-ce qui prend pour mettre le bagaille haïtien qu'est-ce qui protège le haïtien qu'est-ce qui prend sur poule yo haïtien et qui est qui va le mettre dans le camion, qui va le charger dans le camion. Haïtien. Pour y aller vendre qui est haïtien. Qui est-ce qui va le débarquer le ballot haïtien yo? Haïtien. Qu'est-ce qui campe pour toucher Dominicain? Moi, je voulais nous tendre ça, m'a dit là. Idem. Pour le secteur agricole là. C'est haïtien qui raboure terre pour Dominicain. C'est haïtien qui plante pour Dominicain. C'est haïtien qui sacle jardin pour Dominicain. Le produit a grandi comme s'il venait pour nous récolter, c'est haïtien qui récolte pour Dominicain. C'est haïtien qui mette dans le sac pour Dominicain. C'est haïtien qui conduit machine, vient dans le jardin pour Dominicain, vient dans le champ. C'est haïtien qui charge, sac le mette sous camion pour Dominicain. C'est haïtien qui conduit machine à la marché. C'est haïtien qui débarque le produit. C'est haïtien qui longe, qui campe pour vendre. Bail l'autre haïtien, Dominicain juste campé pour recevoir l'argent. Dominicain. C'est des enfants gâtés. Parce que nous-mêmes, nous venons yon robot programmé. Nous venons yon main d'œuvre qui est extrêmement important pour yon. De fait, yon pas accepté pour yon perdre nous. Yon pas besoin nous pour fonctionner avec nous, pour manger sous même tabac avec nous, pour fonctionner avec tout le monde. L'argent pas mérité nous. Mais nous sommes bêtes sauvages pour yon. De fait, Jovenel Moïse Patrouel comme ça. Il a fait valeur la paysanne haïtienne. Et montrer la paysanne haïtienne. Même ça quoi fait comme travail dominicani pour Dominique qui parle espagnol que pas même comprendre non ou a vinn faire la caillou ou a gagne autonomie ou a faire quelque part pour payer ou et ou a gagne possibilité pour travailler pour tête ou a récolter pour tête ou a vendre pour tête ou a voir petit tout l'école manger avec fierté Dominique yo pas veut ça et effectivement et c'est là ou pas chercher comprendre rentrer des mercenaires colombiens dans plus gros hôtel en dominicani. Prends plaisir Dominicani, fais photo devant Palais National Dominicain. Fais plusieurs jours en Dominicani. Et sorti dans l'avion luxe dominicain pour rentrer en Haïti pour venir assassiner chef l'État ça qui se Jovenel Moïse. Questionnement. Madame Martine Moïse, nous c'est info beto. Bab Jean Lago, la démarche qu'on a mené pour jouer tribunal pénal international là. Je voulais payer à comprendre très bien. Et monsieur Sajodia. C'est pour un jeune qui c'est des points qui sont extrêmement importants, mais qui sont difficiles à parler dans les yeux, alors dans la bouche, je suis capable de dire, les gens qui sont disant autorité nous. Parce que tout simplement, chaque connaît, rat connaît, Barik Maya obligé de rester dans le temps. Ça fait dans Karimi, style la politique dans Karimi. Bien mieux que, il y a des informations qui fuitent. Tenez bien, papa ici. Pour Luis Abinadel, elle prend la parole. Sous tribune Nations Unies, dans la 78e Assemblée Générale des Nations Unies à New York City, aux États-Unis d'Amérique, c'est le gouvernement haïtien qui complète le discours pour lui. Ça, ça fait qui ça? Sous point qu'il fait, qui a un rapport avec massacre, rivière, et canal qu'on apprend, sous le massacre là. C'est André Michel, James Cadet qui complète le bouillot. Et écoute, ça fait en catimini avec avec ambassadeur dominicain dans Petionville. Et la jeune, Luis Abinadel, lui complète, lui fait discours. Et après, effectivement, c'est même position gouvernement Ariel là. Moi-même, vle jodi a. Pour Haïtien Dim, qui était organisé pour garder Ariel Henry dans tête pays à toujours. Qui était organisé? Ou pas te mettre il? Ou gen pouvoir retirer? 600 000 moun suffit. 1 million moun seulement, pas parler. 2 millions moun, maman petite marie vente. Qui s'en a prêté là toujours? Pendant tout pas là, tout fait le redéo. Comme c'est l'information, lui qui te prépare base dans Dominicani pour la vivre en Dominicani, même avec Jean Rizéan, même avec Jean-Marc Velrive, même avec tout l'autre voleur Justin Briveyo pour la vivre en Dominicani,
en tant que li pral partner business dominicain yo, parce que définitivement c'est dominicain Ariel yé. La prépare base en Dominicaine pour la vivre, mais la exterminer nous comme peuple, je dis à nous gain intérêt exterminer Ariel le plus vite possible. Nous gain intérêt dégager Ariel automatiquement. Parce que m'a dit que finalement Luis Abinadel utilise le pays d'Haïti comme arrière-coulis, ça veut dire que c'est la coude de la Kaili. Ils sont dérespectants. Je dis, nous avons trois personnes qui sont importants. Nous avons trois pays conséquents. Pour nous quitter ce groupe vagabond, ce voyou, de sanguiné, pour quitter la Dominicaine et passer dans le papier. Et je dis, nous comprendre bien. Assassinat de Jovenel Moïse. Qui financé par les oligarques corrompus. Moi, je viens comprendre bien. Moi, je viens comprendre. Les Rodel Jacques qui finit impliqué dans tout le président, quand il peut être couru, c'est la CAI, Luis Abinadel, qui peut être couru. Moi, je comprends très bien. Moi, je viens comprendre très bien. Relation régionale Boulos avec Luis Abinadel, qui était venu développer serré, 2018 à 2020, c'était pour arriver à 6 juillet 2021. Moi, je viens comprendre très bien. Moi, je viens comprendre très bien. Relation Dimitri Vob avec Luis Abinadel, Colé serré, c'était pour aboutir avec 6-7 juillet 2021. Moi, je comprends très bien. Il y a un pile cause qui a parlé dans la République. Et bien, je dis à Mvindi, peuple haïtien, la République dominicaine définitivement a cherché route la guerre ensemble avec nous. Mais on dit la République dominicaine, nous c'est petite Dessaline, nous c'est petite Boukman, nous c'est petite Capoua la mort. Nous sommes peuple qui a l'histoire, ou même ou pas l'histoire. M'a dit la Dominicanie, et qui a en tête comme gouvernement, comme chef gouvernement, comme président de la République, Luis Abinadel. Sauf faire nous compte tout le monde qui est là. M'a dit au grand bagaille, pas te ke grand lion. Nous c'est haïtiens. Nous pas jamais peur en mort. Et nous connaissons nous gagner. Le nous avons bataille pour l'indépendance, nous te connaissons peur en nous comme victime. Nous te dit, nous avons tracé un exemple devant le monde entier. Et de fait, nous te fait l'histoire. N'a dit Luis Abinadel, si là maintenant, en 2023, en 21e siècle, si vous voulez, pour que l'île ça nous fait le fond seul, attaquer Haïtien. Et m'a dit, route que vous prenez, vous décidez de péter un canal qui te connaît inondé ou. Côté équipe qui te l'avant là, tu as protégé la population, vous te fermez complètement, vous te condamnez. Sous l'ordre, avec les ultranationalistes qui n'ont pas, ils ont pété. Ils ont fait ce pour capable dévier de loi, même Jean-André Michel avec James Kader, comme dès qu'on est dans le pays d'Haïti, te demandé, est-ce que la Dominicaine n'a pas une stratégie pour faire là? Effectivement, hier nous faisons. Et m'a dit que nous pas jamais prendre des filles comme peuple. L'autre ting nous prenons le montre qu'on a pleuvé des filles. Et nous prenons le saisir à quoi? Avec pelle, avec ou nan menou, nous pral péton canal piro. N'ap montre que nous pas paye inondation, n'ap montre que nous nan de gwenou, jouk sa kaba. Et nous pas jam bay vague. Nous pas jam bay vague. Et hier, selon l'information gagne, t'assemble, Dominique pe ferme 10 nan canal que le gagne yo, parce que l'oué la pied pral tombe, pour de l'oué te capable, pour te boue pour craser canal que n'ap fait. Peba ici, t'as bien oui? Jusqu'à maintenant, je suis au conditionnel. Ça cause, je vois les Haïtiens, ils font coup d'œil dans tête axe rivière pour regarder si le canal Dominique est fermé. Fermé pour le canal. Selon l'information que je suis gagné, Dominique a fermé 10 portes canal. Ça devient oui. Il a fermé 10 portes canal parce que il a la pierre qui tomber. Automatiquement, il a fermé 10 portes canal. Il connaît de l'eau qui a enragé sur la rivière et il a effectivement crasé le travail qu'il a fait. C'est niveau méchanceté qui a développé la caille dominicaine. Et m'a dit jodi mais d'œuvre ça que nèg intéressé ensemble avec là il a utilisé comme robot mais d'œuvre ça pour servir propre tête li et bien ça pour travailler pour tête li la va travailler avec dignité dans pays sous sol li sous territoire pal là qui c'est main d'œuvre haïtien m'a dit haïtien qui travaille en dominicani qui rabourer terre en dominicani qui couper canne pour dominicain qui travaille dans construction dominicani vinn dans pays ou parce que nous pral gain de l'eau nous pral organiser nous pral voyer plante du ribaou, l'autre bagay baou, pour que nous capables planter jardin nous, planter, après 3 mois pour nous capables récolter, pour nous commencer à manger, pour nous sortir d'un grand goût de misère que la Dominicanie pensait que le camé était nous. Et nous allons fermer sur la Dominicanie. Ma pande haïtien qui est comme dans la diaspora, on nous met tête dans le pays d'Haïti, tant pis s'il vous plaît. Mais ma pande peuple haïtien tout d'abord, on nous chavire le gouvernement Ariel là, pour nous mettre au gouvernement,
qui capable plus ou moins jeune jeune légitimité beaucoup de peuple haïtien qui pour capable organiser élection dans mosqué yon l'année ou bien yon l'année sinon il va capable possible pour nous pas imaginez gouvernement propre gouvernement dans pays où camp en face où et puis gouvernement que l'autre pays qui capable battre ensemble volant les camp en face où Luis Abinadel est-ce qu'on connaît Ariel Henry Barreau droit pour assassiner peuple haïtien qui sont frontière là nous connait ça nous va attendre quelque chose gagné directeur général Bessaplan qui c'est Jean-Tel Joseph, monsieur font déclaration qui est extrêmement important. Après ça qu'il te fait sur canal là, nous prenons le temps de l'ensemble avec. Gagné Rosemont Jean qui débarqué sur canal là hier, déclaration maman Peba. Gagné et m'capable dire nous Luis Abinadel qui osait ouvrir Berkeley sous nos peuples haïtiens dans Nations Unies qui parlait très mal. Gagné plusieurs autres points que nous parlons ensemble avec vous. Dans quatre dossiers ça. Et encore une fois, nous pral faire ouais et canal ça que Dominique te gagné qui te qu'on abandonné yo, qui te qu'on a inondé yo, yo était complètement abandonné complètement et fermé. Hier on décide péter pour que capable dévier de loi pour de l'eau cap vienne quantité de l'eau cap vienne non pour pas vienne non. Niveau méchanceté ya, ça veut dire que ouvert sous tête canal que n'a prend. Niveau méchanceté ya, li la caillou et li visible. Moi content pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'Europe t'a de nous et regarde nous hein. Encore une fois son plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa m'a dit nous et son plaisir pour moi m'a pas de nous partager commenter like abonner si nous pas abonner l'extrêmement important pour que nous partager l'émission ça commenter like li abonner si nous pas abonner justement voilà maintenant on va commencer avec premier point qui c'est côté dominicain allez prendre pardon côté dominicain elle prend prise ça sous canal rivière massacre là yon façon pour yon capable perturber et quantité de l'eau qui pour ta vienne joindre pardon. Une façon pour capable faire déviation hein pour quantité mètre cube d'eau qui t'a supposé venir joindre nous par seconde là pour pas arriver joindre nous objectif là par l'autre c'est une façon pour nous pas joindre l'eau pour nous user terrain nous ou user terrain pour nous planter pour nous capable manger parce que faut que nous toujours être là pour n'a pas acheter dans mais sans camper pour y faire l'argent avec nous et puis nous même nous style rester en bas misère n'importe là où vous voulez et faire mes frontières nous même comme si pour n'a plein pour n'a dit ouvrez pour nous tonton habibi ouvrez pour nous coco a senti ça yo faut que nous capable faire tout. Pas gagné dans ça. C'est bataille des Libanais contre les Haïtiens. Et de fait, en 2021, il y a tout le président. Non. Et où est bataille à continuer contre un président. Son engagement qui est lié pour que nous-mêmes nous continuions avec le projet Sayo. Et d'emblée, pas gagné campé. Canal n'a pas campé. Son énergie qui a développé la cache des Haïtiens et que nous remets en pile. C'est comme après chaque gagnant nous capte de cap garder là, on nous continue à supporter pour travailler la cafénil le plus vite que possible pour nous pas arriver dans moment cyclone là. Parce qu'il va le grand pile là puis qu'elle tomber semaine cap vienne là. Pardon. Je dis à combien? Ça parler de ça monsieur, me saisi oui. 26 la fête info beto, 26 la fête moins. 26 c'est fête moins et canal là pour fête là même. Est-ce qu'on doit fêter? Est-ce qu'on a fête avec fanatique yo? Ça va dépendre de nous. Est-ce qu'on a fait ensemble? N'a pas fait me connaître que si n'a fêté ensemble. 26 c'est fête moins. Mais fête l'arrivée sous moi là, justement canal la boue fête là même. Mais sauf que eh ben si n'a pas un canal ça, bon déjà fait nous plusieurs records café toujours. I don't know why. Mais sauf que moi regrette oui, si me te gon dame, t'a fait me fêter là, capable comprendre que pas de bataille pays est important mais quelque part ouais gondame important femme gondame baga pas baga pas dame mais ça vie ouais dans notre cause c'est vous c'est des pratiques m'oublier vous c'est des pratiques m'oublier m'saisi oui m'saisi en avance qui t'aime dit nous que Abinadel a fait une bataille comme si nous avons nan fait nous ensemble avec nous. Haïtiens a combattu nous.
ultranationaliste qui dans dol a combattre nous. Et lui même tout quelque part comme chaque fin d'année électorale, alors chaque fin d'année mandat, yon président dominicani, capital politique la li fait sous candidat qui piraï haïtien. Candidat qui pi pavle wè haïtien, c'est comme ça que campagne la fait. Yon façon qu'on capable bénéficier électorat ultranationaliste qui avait dit raciste dominicain yo. Qui vraiment a augmenté de jour en jour. Ça que m'a dit un haïtien, l'OAPV Saint Dominicani, faites très attention. Si vous parlez de dealer qui connaît vendre drogue avec Dominicain, m'a conseillé à l'investir Dominicani. Sous son monde de bien, m'a conseillé à investir tout à vous en Dominicani. Sous son monde qui gagne idée rentrer dans la politique dans le pays d'Haïti, vin faire le droit, m'a conseillé à rentrer dans la politique Dominicani. Mais si vous savez, yon moun tankou Jocelyn Brivère, Saint Dominicani kap bon pour vous. Sous son monde tankou Ariel, Saint Dominicani kap bon pour vous. Si vous êtes monté avec Jean-Max Belrive, c'est la Dominicanie qui est bon pour vous. Si vous êtes monté avec Jacques Rousseau, c'est la Dominicanie qui est bon pour vous. Si vous êtes monté avec André Michel, Majorie Michel, Ben Volo Sayo, Ben Chien Sayo, James Cadet, c'est la Dominicanie qui est bon pour vous. Si vous êtes monté avec Jean-Henri Seyan, c'est la Dominicanie qui est bon pour vous. Par le fait que le volo, la Dominicanie remet le volo vient investir la Kaili. L'État dominicain remet le volo vient investir la Kaili. Parce qu'il toujours connaît que l'argent qu'on vole, c'est pour l'argent qu'on a besoin de justifier, mais quelque part, n'importe qui, on zépète, la foutre saisie l'argent. Ils remettent les vols, ils viennent investir la caillou. Et de fait, ils utilisent les vols pour craser le pays d'Haïti, pour venir bon pour rentrer la caillou. Ils rentrent, puis ils secouent automatiquement. Voilà maintenant. Ça n'a pas gardé là. C'est côté dominicain, après prise Payoa sous canal Rivière Massacre. L'important pour que moi montrer nous encore une fois barrage pas nous. On nous font un coup d'œil sur barrage pas nous tout d'abord et puis on va tourner sur pas dominicain. OK, ça c'est résistance peuple là sous canal Rivière Massacre là. Ça c'est résistance peuple là. Sous canal Rivière Massacre là. Et ben pour l'autre angle. Meni, mes travail là. OK, Welly? Mes travail là. Voilà, mes travail là. On va le montrer au côté dominicain prend prise par eux. Est-ce que n'a regardé nous pio hein? Un petit côté qui comme si m'ta dit qui gont boutmi qui tout encore qui un petit genre blanche comme ou bien jaune, pas connait. Sauf que coule presque coule terrain. Ou après dans coube qui en haut. Dans coube en haut qui presque en face pied bois qui n'a gardé puis haut, n'a près yon espace. On comme si boutmi te monter nous tout à l'heure, c'est lit et là on va ensemble avec nous. Même nous même nous pi bas. Ça veut dire que nous pi bas là. Nous pi bas là, n'a prend pris ça dans coube là. Meni, quand on garder pas nous hein. Meni, n'a prend pris ça dans coube là. Et là mais côté n'a propre prise là pour finaliser travaux que président Jovenel Moïse t'a continué. T'es commencé alors. Print ça qu'a fait le canal là, c'est print ça qu'a prend plus matériaux et c'est l'équipe plus important dans travail là. C'est les mêmes code doit fait qu'a prêté pour plusieurs décennies. Vous comprenez parce qu'il doit rester là. C'est pour travail qui doit craser n'importe qui gens. C'est pour travail qui doit faire n'importe qui gentou parce que n'importe quoi qu'on fait la l'el gon le cyclone l'eau a inondé moun nan plein nan et c'est ça qui est important comme partie technique de travail là qui doit faire avec tête reposée qui pas doit faire tête chaud et ça cause m'a dit yon moun kap bay aide ou du moins kap pote aide aller rassure que ou bay li avec bon moun nan pour capable utiliser de manière qui capable aider travail là avancer. Parce que nous là, nous dans phase technique qui prend en pile matériaux et il doit faire bien. Et ça cause nous-mêmes bon côté pas nous, nous fait partie qui essentiel là. Par exemple hier on a regardé pour dans plein nan, on a pris vraiment clair, pas gain fait noir encore. Nous-mêmes équipe pas nous prend engagement, nous acheter panneaux solaires, nous acheter en pile panneaux solaires, OK? Pour en pile l'argent, n'a le mettre sous canal là. Pardon. Lampadaire. Un système normal. Qui clairait espace là complètement. Hier soir, Dominique est au saisi. Dominique est au saisi. Parce qu'il nous clairait espace là net hier soir.
Eh bien, encore une fois, nous fixer un espace pour nous mettre M. Bessapio. Sauf que ça l'a demandé en pile support. Ça cause m'a pas invité ou même capitaine de Cap Gardé là à nous supporter plateforme non et vraiment à nous supporter. OK? Sous-près ça m'a salué madame Evelyne Nui, m'a salué madame Nicole et un staff haïtien solide qui travaille dans l'hôpital dans Connecticut, m'a salué nous, c'est des nurses qui oyé et de madame qui protéger la vie, qui bail la vie, moi nous en pile. Et m'a salué madame Matoun en pile l'amour son dame on comprend qui âgé OK et qui gon petit quoi sur tête plusieurs récords café que n'a pas de bon Dieu pour l'augmenter et temps pour passer sous terre ça parce que son dame qui remet nous en pile m'a salué lui m'dit en pile l'amour pour lui OK m'a salué en pile l'autre ami qui attendait nous OK m'a salué ma gloire Jovenel ma gloire nèg cap haïtien nèg nan nord comprend en pile l'amour pour ou, son personnage encore plus passé en 60 plus passé en 60 en d'années 70 années c'est pas trop nous OK m'a salué l'autre ami intelligent que nous gagnons dans le nord qui travaille dans le nord l'autre semaine n'a connait et c'est une qui gon bel travail qu'il a fait yon l'hôtel qu'il a fait dans le nord qui ou pas le jeune l'autre semaine nan l'hôtel ça va le passer et sous chaîne ou sous plateforme ça et que l'heure ou même n'a pas vite ou rentrer dans le nord n'a pas facilité ou yon hôtel solide yon hôtel qui gen confort international et ben justement et pour que ou al passer jou que ou al passer dans pays ou qui c'est dans le nord monsieur que zami attendé là et l'ap content justement c'est un haïtien conséquent que nous pouvons jamais rencontrer mais sauf que nous parler dans téléphone depuis moi nèg la sénèg nan nord on n'a qu'à parler bien ensemble avec mon cher Mbappé Manti. C'est côté moi-même mon yo. C'est côté moi-même mon yo en pile, le Nord. Et c'est côté tout moi-même, faut me petit bout de tête pam. Faut mon nan bon petit bout de tête pam. Salut madame Vincent. Madame Vincent, soit tande m là t'aime nan sous contou. T'aime nan pour me faire petit caï pam nan avec petit piscine pam nan pour mal passer vacances pendant le Nord sous contou. Monsieur Magloire tout, ti t'aime nan sous contou parce que me besoin ti t'aime justement pour que mal construit petit caï moi dans le Nord. M'a gagne l'argent pour m'acheter bon petit t'aime. Et mon nan que nous yé bon petit t'aime. Est-ce qu'on comprend? On avance. Qui t'aime dit nous que travail nous cap fait là ce travail qui est extrêmement important pour chaque grand haïtien à travers le monde parce que pas oublier moi me sonne qui remet manger maïs moulin ou pas ta fond idée aïe nous tout pas même monde moi me sonne doit m'a manger yon maïs blanc avec une sauce poisson ce bagage extraordinaire. Et si m'tou bagage souple, sauce m'pa blanc comme couleur là de nos papa. Yo laisse poisson goutte sel, m'pa blanc comme couleur non parce que depuis poisson, depuis c'est sauce poisson m'pa blanc couleur. Depuis gen couleur, pas fait bien. M'pa senti manqué original. M'pa senti manqué haïtien. Est-ce que vous comprenez? Mais pas oublier. Barrage rivière Marion a produit poisson ça. Et puis de l'eau qui saute dans barrage rivière Marion. Ou bien tout nan rive massacre, li pral pou du maïs sa. Est-ce que nous comprenons ça? Tade bien, ma fou connexion entre sorti là pour nous comprendre. Importance, barrage sa yo. Importance, pri sa que nous apprend sur rive massacre là. C'est haïtien ou qui plante, qui fait jardin pour Dominicani, oui. Nous comprenons ça? Bon, mon petit Jean, plus ou moins calme et moins, parce que, effectivement, franchement, sauf que, bah là, excitant, man. Les révoltants. C'est haïtien qui planté pour Dominicain. C'est haïtien qui prend soin jardin pour Dominicain. Ça qui m'a misé sur ça. Coupez parti ça pour moi, pour nous faire passer dans Bablen Maribao. C'est haïtien qui plante pour Dominicain. C'est haïtien qui prend soin jardin. Ça veut dire que sa clé, qu'on ait quantité de l'eau qui pour entrer dans le jardin. Là pour fermer le canal là. Là pour de l'eau, canaliser de l'eau pour le passer dans tout petit coin dans le jardin. C'est haïtien qui fait tout ça. C'est haïtien qui pour acheter mauvais zeb qui dans le jardin. C'est haïtien qui pour récolter pour Dominicain. C'est haïtien qui pour mettre dans machine pour Dominicain, embarquer dans machine et débarquer pour Dominicain. C'est haïtien qui pour vendre pour Dominicain, Dominicain seulement loger doit li et puis il prend l'argent. Loger meni. Vous voulez nous comprendre ça veut dire. Mes amis, partagez ça couper pour moi et partagez ça pour moi. Ou bien partagez mission en général.
Parce que c'est extrêmement important. Et mais je dis, c'est haïtien ça, yo. Nous dit qu'il doit tourner la caille. Parce que nous avons compris sur le massacre, nous avons gagné de l'eau. Pour nous venir faire jardin la caille, nous, pour propre tête, nous. En géant, en pile, vrai, oui. Parce que nous gâtés. Dominique, c'est des enfants gâtés. Ils utilisent nous, nous travaillons pour eux. Nous planter. Nous prenons soin jardin, nous récolter, nous le vendons. À qui est-ce que nous le avec tête, nous encore le vendons. Aïe, c'est pareil, nous encore le vendons. Je ne sais pas ce que c'est, mes amis. Mais ça me déblie ajouter. C'est avec Haïtien qu'on le vend. Dominique seulement prend comme la nommée Haïtien. Ça dit forcément, couragement, et puis l'argent encore. Mais je dis, je dis forcément, pas jeune, couragement, pas jeune, et pour pas jeune l'argent. Dominique est prêt pour bombarder nous. Et bien, mes canal là. Mais ça n'a pas et vous prenez le Dominique prend par pour vous perturber, et puis pour faire des déviations, hein, pour que l'eau pas venir jouer en quantité, pour nous capables de pas jouer de l'eau pour nous oser. Mais niveau méchanceté à la carte dominicaine. En regardant côté la prise par nous. Venez. Nous devons bâtir ça. Venez. Gardez la avec un peu l'intérêt. Mesdames, papa. Mesdames, mesdames, moun pas moi. Et alors, dame, ça, je vais me dire, non, gede Kishoy, effectivement, que, alors, justement, on connaît façon Haïti, pour faire un bagay rive, joignon moun, faut qu'on utilise un pile stratégie. Donc, on comment lié déjà. si Dominique était ouf, frontière, nous avons utilisé frontière rapide, vite. Si frontière Dominique était ouvert, nous avons pris à utiliser, nous avons fait ça dans faire rapide. Mais effectivement, nous avons dit que dame ça nous a supporté. Et après, à partir de la semaine qui vient là, nous avons et ça normalement, parce que nous sommes clés sur ça. La fête avec la moi que les remets à la fête. Mais effectivement, nous parlons avec elle. Les mêmes tout le deal. Il dit que l'elfin de travail là, colle pas bon du tout. Colle pas bon du tout, du tout. Mais comme il a dans le fait ferraille et lui fait maçonnerie, elle dit l'elfin de travail, il dit colle pas bon du tout. Mais et c'est lui qui gagne pour le faire pour le moment il fait. Mais en fait moi dis que et m'a pas de problème non il a toujours à faire des coups de tiwel qu'on va aller remet mais naturellement nous pour le faire font l'autre bagaille pour capable vivre ensemble avec elle. Et m'a demandé nous tout cap parler cap tande cap garder là support chaque grain dans nous particulièrement OK pour supporter dame ça. Parce que nous envie faire des belles bagages ensemble avec elle pour que les capable avancer. Et nous capables de comprendre ça. Et en fait, nous prenons engagement nous-mêmes beaucoup de côté par nous pour nous avancer. Qui t'aime dit non? Et pour canal, c'est tout haïtien qui met tête ensemble et qui dégage volonté ça pour que effectivement travail la fête. Entre temps, m'a dit nous que entre-temps, m'a dit nous que le Canada a peine sanctionné trois vols dans le pays d'Haïti. Trois oligarques.
trois gros oligarques. Le Canada à peine sanctionné. OK? Le Canada à peine sanctionné. Trois gros oligarques. À savoir, Marc-Antoine Accra, Karl Brown. Mes amis, je dis nous ça très bien. Nek Unibank sa yo, c'est volo yo, papa, je dis nous ça. Edouard Bossan, nek sa yo, c'est volo yo. Mes amis, moi même je dis nous ça. Nek Unibank, Soje Bank sa yo, faut nous prie d'avec yo, mais ni le Canada pas vili yo. Marc-Antoine Accra, dit Edouard, criminel, assassin, financé gang. Karl Brown, Jean-Marie Vob Beni. Un bon break. Côté de musique, Jomo. Mes amis, t'allez. Jomo. Non, pas. Je ne connais pas, mes amis. Côté de musique, Jomo. Côté li. Et, si pas, Jomo, nous pas jamais li yo. Et, Jomo, carnaval. OK. On avance, monsieur. Quand est-ce que tu monsieur? Quand est-ce que le carnaval là? Tu payes. Quand est-ce que tu payes? Jomo, non, pape, j'en oublie. Jomo. Voilà maintenant. Attendez bien. Moi-même, dis-nous, on dit nos bagailles. Bon, mettez ça. Tourne sous canal, ou pas gagne cap de route dans canal, papa. On dit ça très bien. On va prendre carnaval ensemble avec nous, on va chanter ensemble. On va chanter à cœur. On va chanter à cœur. On avance papa ici. On va chanter papa. Tipay. Même si nous pas L'État reste avec. C'est.
Yo sanctionné Makotanaka. Yo sanctionné Jean-Marie Vob, même Vob volo criminel gang assassin volo yo. Tant de sanctions Dimitri Vob volo ça. Tant de sanctions Général Boulos volo ça. Jomo nous pas chambli yo, Jomo nous pas chambli yo garçon. Yo sanctionné Calboa on nèg ni banque soje banque volo yo. C'est nèg ça k'a blanchi l'argent pour gang yo, k'a kidnapper moun nan pays an. Mba di nou sa ban volo uni bank sa ban volo soje bank sa yo. C'est yo même. M'espère que nous comprennent. On a pas break là pendant quelques secondes n'a tourner. Foucault taxe 69. Il est très important. Gérant Coloquette. Ça. Mes amis, tendez bien. Et c'est deux bagailles qui sont extrêmement importants. Jodian, le Canada prend sanction contre trois voleurs. Qui va étonner nous, non, quelque part? Écoutez bien. Nous avons pile temps. Depuis nous sommes à dénoncer Mounzaïo. Nous pouvons payer avec gang. Nous avons des âmes. Nous avons tué Moun. Jodian m'a dit. Le Canada sanctionné, nous même c'est dans le canal nous. Nous avons dit Canada. Si Emma ou Mario, peut-être ça te capi intéressé nous. Mais comme nous avons sanctionné tout, quelque part, par un suivi qui fait, nous dit tellement pas, ça va tellement intéresser nous. Je veux dire, son de ce canal là géré, et attention, nous ne pouvons pas détourner. Focus nous ne pas détourner. Focus sur le seul côté qui est lié, c'est dans le canal là. Et là maintenant, peuple haïtien, on nous focus sur le canal là. On allait dans le canal ça, on a parlé nous. Mais ça c'est là Dominicain a décidé pour que yo prend prise là. Alors, yo te prend prise là déjà depuis longtemps. Même j'ai nommé d'autres comprend. Ça aussi un bagage qui abandonné. Parce que ce qui s'est passé, c'est mis à côté ouais mon yo campé là. Yo pardon. C'est mis à côté ouais mon yo campé là. Yo gagne une porte d'entrée canal là-dedans. Mais vous avez fermé complètement. Parce que tout simplement, l'eau a été tellement inondée, et vous avez décidé de fermer. Et puis, par le fait que Piba, j'ai te montré nous, hein? Ok? J'ai te montré nous, pas de partie, pas nous, n'a pas pris prise là. Mais qui ça n'a pas fait? Vous décidé pour que vous pétez pas encore pour capable diminuer la quantité de l'eau qui vient joindre nous. Et c'est ça que nous devons comprendre. Pour être capable de diminuer la quantité de l'eau qui vient de joindre nous. Et je me dis que. Je me dis que, effectivement, yo repassé pour être canal ça qui a été abandonné, qui a appelé l'inondé. Ça veut dire que yo pas qu'il y a pour de l'eau inondé. Et bien, même pour nan souci pour capable diminuer la quantité de l'eau, pour capable comme si, par niveau méchanceté à la caille, pour capable décourager notre travail, là, et que nous ne pouvons pas décourager, au contraire, ça a plus motivé nous, ça va le faire nous prendre une emprise qui est peut-être encore. Je décide de répéter ça. C'est là tout. Je vais dire que nous gagnons nécessité pour que nous tous capteurs de Cap Gadé là, encourager à supporter. Canal là. Sur le plan technique
ingénieur qui compte travailler dans le domaine ça yo ba expertise ou si qui capable ba sous pas dans pays ya ou capable ba expertise ou à distance ou capable reler nous dans téléphone ou passer idée sous plateforme là et puis nous fait pays attendre ou et puis après ça nous fait ti parler ensemble avant ou à via call conférence entre équipe nous entre nous et puis après ça n'a va faire ça couvrir hein, ça coûte ou partager ensemble avec nous river jeune équipe qui travaille en place là pour que travail là capable faire de manière efficace. Mais qui côté dominicanais décide de prendre prise là pour capable perturber travail qu'il a fait. À nous garder là avec un bel intérêt. Et hier soir encore, il y a un gros accident malheureusement qui fait à Dominicani. Selon information, il a semblé qu'il y a plus passé. Et 30 personnes qui ont perdu la vie. Yo. Et. Ok, il a semblé. Mes amis, c'est grave, oui. Un dossier qui est massacré, ça. Quel est le vénégo? Quel est le vénégo paysan? Quel est le papiti? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, non. C'est moi, si 30 moun moun seul qu'on a un accident, ce n'est pas extrêmement grave. Ok? Ce n'est pas extrêmement grave. 30 moun ta mouri dans un accident. Et. Quand on a Dominique qui t'a cherché dans Bouddha Diabla, mais mon cher, finalement, il y a un jeune. Si tu as comme ça. Ok? Si tu as comme ça, il y a un jeune. Ok? Nous pourrons regarder. Et de bagay toujours ensemble avec vous. Regardez de bagay toujours ensemble avec vous. C'est concernant canal là. Là, c'est l'ordre gouvernement dominicain, ministère travaux publics dominicani. Mairie dans zone d'Ahabon qui prend décision ça. OK, qui prend décision ça pour venir faire déviation canal là après rencontre qu'André Michel te gagné avec ambassadeur dominicain dans pays d'Haïti. On regarde ça. Non, je ne sais pas si je vais me faire un peu de temps.
Voilà, les amis internautes, les monde qui ont suivi nous. Et bien, c'est comme ça que j'en ai suivi là. C'est un autre canal, et bien, Dominique même décide de percer et ce même rivière massacre là. C'est un autre canal, et ça fait 12 canal, et bien, nous prenons même sous rivière massacre là. Alors que nous connaissons, et nous même, les canals nous avons dit passer sous rivière massacre là. Nous pétons coquin, et nous pouvons ça respectant. Alors que c'est un 12e, et on prend notre tête, côté nous même n'a fait pas noir, notre tête là, il a affaibli le canal pas noir. Dans un ancien là, c'est comme ça. On a un niveau à fouiller pelle là. Regardez pour vous, on a un niveau à fouiller pelle là, ça veut dire que, quand on est dans le campé, on va le passer. C'est là que vous allez passer pour l'entrée dans le micro de mon campé derrière, parce qu'il va le craser, mais ça. Ok, c'est route là, fait voler là. Dominicain, elle fait confiance, donc pensez aux amours. Pensez aux cas amours, et puis y aille. Il est important que effectivement nous allons comprendre. Ok. Voilà, et j'en observe les amis internautes, et bien. J'en absolue là, et tracteur ça capte avec l'autre bord là. C'est un autre canal, et bien Dominique, il a même commencé. Voilà, c'est un autre canal. Et on va le passer là. Voilà, c'est un autre canal, et bien, selon l'information, et bien, voilà. Dominique, il a même eu. Maintenant, mais qui point? Voilà, côté nous, deux à pouvoir. Nous, ça déjà. Il y a ça qui est important pour moi. Et matin, hein. Gagné yon haïtien qui était là qui n'a rencontre côté que je Dominique au tab jeune yon entente avec gouvernement haïtien en 2021 qui font intervention dans radio télévision Caraïbes matin que m'pral fort tendé et après ça pral tendé docteur Claude Joseph qui pral font intervention tête chargée dans radio télévision Caraïbes et c'est ça qui intéresse moi pour partager ensemble avec nous maintenant pendant que n'a continuer faut vivre travail Dominique a fait sous pour dévier canal là et barrage que n'a prise que n'a prend sous canal rivière massacre là sous rivière là en avance entendez citoyens hein? Qu'a font intervention tête chargée qui pour montrer dans quel niveau dominicain c'est méchanceté yo décider fait avec nous mêmes et non pas bay vague et nous va entendre avec un peu d'intérêt. République dominicaine, ils ont convaincu tout par rapport à dossier technique que nous présentait que ça n'a fait, c'est un captage lié. Ça n'a fait, c'est que il pas constitué une déviation rivière là. Pour finir, bon, me raconter une petite histoire. Petite histoire, ça très important de rédaction de déclaration conjointe. Non. Pour faire déclaration conjointe, non, dominicains font commission en côté par eux. Yo mette meilleur expert yo. Ambassadeur Smith Augustin te mandé moi-même, te mandé et agronome Dieu donné des hommes pour nous dans la commission du côté haïtien. Pendant chita
en dans salle à côté commission réunie, nous venons réunir à part. Et bien, c'est garder nous Dominique et vini avec une déclaration toute faite. Il dit bon, en prévision de rencontre, il vini avec une déclaration côté que dit que Haïti d'accord que la suspend travail en attendant que yo Dominique et vini inspecter. Moi-même, je dis ça, c'est à jamais. On prend soi-disant déclaration, moi-même avec agronome des hommes, on a joint ambassadeur Smith Augustin. Pour l'histoire, il y a des gens de chez nous qui étaient restés. Ma jeune ambassadeur Augustin, voilà de quoi il retourne. Si on accepte ça, nous pas seulement enterrer le canal là, nous enterrer la dignité du peuple haïtien. Et ambassadeur Augustin, pendant chita dans la grande salle là, c'est qu'on garde le monde, reste même quand tu as fini, pour que c'est fini, nous ne pouvons pas venir. Ambassadeur Augustin, il y a courage pour dire le pape signe ça, il y a conseil technique qui dit ça pas qu'à faire. Eh bien, il faut retourner sur ça, on est d'accord. Vous comprenez bien, on dit que d'accord, on va avec vous, et puis on dit retourner sur lui. Et bien, à la fin, toute technique, on dit non, nous ne pouvons pas arrêter politique, on prend devant. Techniquement, Haïti est dans son. Et a raison. Techniquement, Haïti a droit pour utiliser de l'eau. Techniquement, ça nous présente là, c'est pour une déviation de la rivière Massacre qui va poser dommage. C'est ça qui fait que nous réécrit en plénière devant tout le monde. Nous réécrit ni Dominique ni Haïtien, nous mettons ensemble, nous faisons déclaration, hein, et déclaration conjointe, non, les signées par secrétaire technique et commission mixte bilatérale là, du côté haïtien et du côté dominicain. Et Mkadjo, ce n'est pas seulement une victoire diplomatique, une rare victoire diplomatique de Haïti, mais cependant son reconnaissance par autorité dominicaine. Nous avons les déclarations conjointes, hein, côté que nous déclarons, nous dit que nous pas violé. Traité de paix d'arbitrage 1920. Mes amis, moi-même, le temps de nous matin, messieurs, qui samedi, on dit quelque part, il y a une trahison. Une trahison de tout samedi fait. Une trahison de peuple haïtien. Une trahison de des mondes même qui étaient impliqués dans ça. Qui connaît que projet, son projet du ministère de l'Agriculture, qui t'a défendu. Et puis, qu'on y a qu'à dire. Autre chose. Et d'ailleurs, femme dit nous avec John. Oui, bon poser, bon poser une question ça de manière directe. Comme moun nan zone là, comme moun nodès, comme spécialiste, est-ce que d'après ou site côté canal là fait là, li inapproprié ou bien effectivement tout ça ministère de l'agriculture avancé nan note li soumettre by primature, c'est des bagages qui ka kembe à savoir risque d'inondation, problème qui est capable de poser au niveau de la partie dominicaine et la trier. D'abord comme mon nord-est qui concerne là, ensuite comme spécialiste. D'abord comme mon nord-est, prisement a fait sous la rivière Massacre à l'intérieur même des terres haïtiennes. Article 10, non, notre traité a dit un bagaille. Pas que yon nan état yo qui a empêché l'autre là utiliser de l'eau. Dans la limite territoire pour arroser des terres pour l'autre fin agricole et industrielle. Depuis que nous pas dévié de l'eau, depuis que nous pas réduit des billes, ça veut dire que depuis que ça n'a fait, il n'est pas dommageable pour l'autre partie et pour nous-mêmes tout. Johnny Ferdinand, qui ça m'a dit? Pas de qu'un projet dans le monde là qui n'a pas eu un impact environnemental. Tout projet a toujours un impact environnemental. Ou te met par exemple, yon côté qui était totalement déboisé, ou décide que ou pral refoule, ou pral son forêt là. Pral gagne impact. Parce que peut-être que pendant créer forêt, ou fin planter forêt, elle a grandi, pral gagne des animaux qui partent jamais dans la zone qui vini, qui pral vin envahir, qui pral présenter yon menace pour biodiversité locale là. Ça veut dire que dans quatre travail, ça, qui ça toujours fait? C'est pas seulement yon étude d'impact environnemental, ou malgré mitigation environnementale. Mitigation environnementale, là, ça veut dire que quelle que soit activité ou fait dans le monde, dans la vie, il gagne une empreinte sur l'environnement. Quand il y a l'État qui ça pour le faire, tu vois que bon impact, c'est mettre en place des structures pour au fur et à mesure la atténuer, la réduire l'impact. Moi-même, sans pas comprendre, dans notre ministère agriculture, non? C'est que le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui met l'ouvrage, ça qu'a fait là, en dehors de la main.
Ce depuis les années 2013, 2014, 2015, que yo commencé ce canal là, en 2018 c'est un projet complet total qui est fait, qui est renforcé par Dinvay et que qui est présenté à la partie dominicaine par la gouverneure Carly Jean-Jeune qui était à ce moment chef de cabinet du ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire que c'est le ministre de l'Agriculture là même qui est présenté projet et yo pas te dit que voilà, projet a présenté un risque, projet a pas fait que inondation, et que projet ça son projet qui pas viable, son projet qui menace et Haïti et la République Dominicaine. Moi-même qui était là, dans tout bagaille, c'est hier, elle m'a appelé, on a dit ça, nous sommes dans le ciel là, nous tombons à terre, nous saisis parce que bagaille sont pas chômés. Oui, alors on va répondre directement à la question Zonia et Chamètre. Donc est-ce que selon avis expert ou selon ou même tout comme citoyen nord-est, est-ce que espace côté canal là a fait là li approprié? Son espace qui est approprié, excusez-moi, en droit international, moi je suis expert en droit international, la fête sous rive gauche massacre sous côté sous territoire pays d'Haïti et article dit que nous avons droit à ça. Et au point de vue strictement technique par rapport à l'ouvrage hydraulique, Haïti a présenté tout document yo, à partir dominicaine et ni Haïti ni la République dominicaine sont convenu ensemble que côté que canal a fait là, il n'a pas constitué un danger pour l'environnement, il n'a pas constitué un danger et pour Haïti et pour la République dominicaine. Pas oublier que mais contrairement hier, Luis Abinadel montait sous tribune des Nations Unies. Après ce même gouvernement là qui était signé ça avec président Jovenel Moïse en 2021 et que et citoyen ici ça là dans compte ça c'est même Abinadel ça qui campé cap débattre propre tête li après le même document ça qui était signé en 2021 qui une signature ministre affaires étrangères là Roberto Alvarez pas sérieux li ba dans compte bon monde ici avec nous pour dire que ça n'a pas c'est un simple captage d'eau et longueur li c'est 2.6 km. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui constitue ça que les une déviation de la rivière. Oui, au point de vue du droit, au point de vue strictement technique, côté canal la fête là, c'est un côté qui est normal, qui est bon pour Haïti. Et la République dominicaine, qui ne peut pas causer dommage. Ok. Ok, donc, mais j'espère ou pas te frapper, l'autre ou dire lever. Ou pas frapper fort, non, pas vrai? Non, mais vous considérez ça comme une trahison. Excusez-moi, au point de vue du droit international, comment comprendre que une note interne à ministère de l'Agriculture, une note interne à ministère des Affaires étrangères, ou à regarder qu'il est dans un main dominicain? Comment ça veut dire? Pour que yon note constate va arriver dans la partie dominicaine, faut transmettre à la chancellerie et que chancellerie a prenne li communiquer officiellement à la partie dominicaine. Et ensuite, ma garde en bagage. Gardez bien pour moi, oui. Pendant que le travail a fait là, le travail a commencé le 30 août, nous avons fait rapport par le 3 septembre. Depuis le 30 août, l'État absent, l'État pas qu'à mettre pied là, dans la zone là. Parce que vous pouvez nous poser clair. Côté où tu es passé pour vous faire étudier, qui est-ce qui t'est venu? Qui est-ce qui t'est fait relever topographique? Parce que là, si tu as déjà un dossier technique qui fait déjà, c'est que monsieur a vu faire une contre-expertise. Contre-expertise, non. C'est dans le bureau où il aurait été sur Google Earth, il a gardé la zone et il a fait contre-expertise sans ne pas descendre sur le terrain, sans ne pas aller sur les lieux. Et en dernier lieu, on garde bien, oui, ou après que tout nouveau élément de langage, ça, que monsieur, météo, c'est des éléments de langage qui, même ça, que République Dominicaine dit. Okay. Quelque part, il y a une collusion entre deux administrations, ça, sous deux Mounouanamètre, sous deux pleines Maribarou et sous deux pays. Sous deux pays, Maître Ferrand, bon, moment d'eau. Dans le moment de discussion, ça, tu as fait jusqu'à ce qu'on dérive à signature document, ça, nous on t'a parlé tout à l'heure déclaration conjointe là très bien qui sont tes gagnants maintenant qui ça nous comme parti haïtien dans des gagnants maintenant comme document a dit des documents techniques qui ont été exposés qui ont été présentés à dominicain puisque monsieur que c'est pas dans bouche seulement nous t'est arrivé toujours pour que pour qu'à ouvrir et faire des vannes pour qu'à ouvrir et fermer parce que ces vannes ça va permettre protéger l'ouvrage là et protéger tout
tout environnement alentour là. C'est que normalement, le dossier technique était là, le dossier technique a été présenté à la partie dominicaine, et nous, non seulement nous avons tout dossier là, mais nous avons une présentation PowerPoint de agronome. On va avancer. De agronome Cardi Jean-Jacques. Où est le document ça, Chamet? Bon, les documents sont là. Si nous voulons, m'a partager quelques documents avec vous. Parce que comme documents, nous avons tout partout, tout le monde qui vous voyez à droite et à gauche, mais c'est un document qui est en circulation. Et ma part, ça qui était fait encore, qui était plus belle, et film d'Ilva, son film cubaine, documentation qui est présentée même à la République dominicaine, ce n'est pas même une documentation en créole ou en français, c'était en espagnol que l'on a fait pour compréhension, qui font que l'on a deviné accepter et signer la déclaration conjointe 27 mai 2021. En tout cas, on a noté pour Nation, Monsieur Pierre Cali, Jean-Jean n'a pas parlé là actuellement, là, lycée secrétaire technique, commission haïtiano, commission mixte de préférence haïtiano-dominicaine. Là. Nous avons évoqué ça tout à l'heure, c'est lui-même qui signe, correspondance qui a le joint ministre Affaires étrangères là, pour te balis compte rendu de rencontre qui a été faite le 7 septembre 2023 dans la salle de conférence bureau central ministère là. L'autre information, peut-être nous t'a capable joindre dans document 45 pages là. Nous songe nous t'ai lu. Nous sommes partager avec nous là. Maintenant Vimando, M. Fleurant, en 2013, ministère agriculture lit en quelque sorte autorisé travailler à travers premier contrat. Il était signé avec firme Agritrans. 2018, il a défendu. 2021, encore, il a défendu. Les Dominicains ont été finalisés, ils ont été morts pour dire que tu vas la campagne. Donc, je dis à la, revirement ça, si nous avons eu le concert, ou bien coupe 90 degrés, 180 degrés, ou bien 360 degrés, là, bon côté ministère, là, ou même comme spécialiste, ou même comme Mountou qui était dans la partie haïtienne, là, les premières rencontres, là. Comment comprendre ni? Qui sont déduits? Johnny, nous comprenons ni comme abandon. Nous comprenons ni tout que tout ça que Dominicain, République Dominicaine t'a dit que Haïti dit, eh bien, il a raison. Parce que comme vous comprenez, une crise commence le 30 septembre. Cette semaine dernière, là, nous communiquons qui se tient dans le gouvernement haïtien. Président Dominicain, ministre Affaires étrangères de la République Dominicaine, il a campé, il a dit. Que Haïti parle avec eux, ils disent pas comme ça qu'a fait là. C'est des provocateurs, des anarchistes qui apprennent de l'eau, ils apprennent de l'eau pour y aller venir à des particuliers. Ensuite, ils disent que c'est des gens qui veulent déstabiliser le gouvernement haïtien. Et le gouvernement haïtien, par exemple, dit un mot. Quand vous comprenez que c'est tellement grave que vous gagnez un pays étranger, des officiels étrangers. Qu'a parlé, non, il y a l'État en Haïti. L'État n'a pas raché un mot, l'État d'accord. Mais bon bagaille. Est-ce qu'on connaît que il est impossible pour des particuliers de prendre de l'eau dans la rivière ou à vendre? Parce que droit haïtien, qui sa loi nationale dit, c'est que la rivière, le lac, l'étang, ils ont fait partie de ce que y aurait les domaines hydrauliques publics de l'État. Ça veut dire que les domaines ne sont pas qu'à prêter de l'eau, ne sont pas qu'à prêter, ne sont pas qu'à louer, ne sont pas qu'à faire cadeau, ne sont pas qu'à vendre. Et puis, vous gagnez un chef d'État étranger qui a une attitude hostile, agressive. Parce qu'en droit international, le pays ferme toute frontière avec vous. Le pays dit pas bail, résident dans la caille, vit sans prendre la caille. Les pays amassent des troupes sur la frontière, ça c'est pas des actes d'amitié, c'est ce qu'on appelle des actes hostiles, c'est presque un acte d'agression, c'est comme si son pays qui mettait une situation de pré-guerre avec vous-même. Alors que le traité de paix d'amitié d'arbitrage là dit clairement que si vos problèmes entre deux pays, à partir de traiter ça, pour traiter ça, différent ça, ce n'est pas acte d'agression, acte de représailles qui doit faire. Il doit porter différent ça devant un cours d'arbitrage international. Ce n'est pas ça la République Dominicaine fait. C'est pour mon cas violer le traité à eux-mêmes. Parce que immédiatement qu'il y a un problème, qu'on n'est pas d'accord, négociation, pas qu'arriver à quelque chose,
c'est pas premier ça pour faire, c'est faire des actes d'agression envers l'autre État, c'est demander un arbitrage international. Si quelqu'un a violé, c'est la République dominicaine qui viole. Voilà, on a parlé matin avec Mesmi Marie Fleurin. Bon, moi, Mado Chametk, puisque le gouvernement dominicain l'a déjà fait 11 prises sous rivière Massacre, est-ce que vous rappelez que ça t'est arrivé que le t'a demandé République d'Haïti, avant même lui faire Canal Palio, est-ce que tout ça t'est arrivé que dans un moment t'as fait notre composition contraire avec eux, ou on idée de ça? Yo pas de jambes, à ma connaissance, pas de jambes gagné information que vous partagé avec Haïti. Moi, je explique au nom bagay. L'ingénieur nous t'a posé ça comme condition tout. Nous dit nous bail information sous premier prise que nous prenons sur rivière Massacre. Et nous-mêmes, nous t'arrêmer que nous venions avec les informations sur tout l'autre ouvrage, sur 11 ouvrages que nous faisons. Et nous bagay que nous clair que le peuple haïtien peut connaître. Ce n'est pas comme ça que nous étions utiles. C'est que dans pile étude qui fait au début des années 2000 sur la rivière Massacre et sur l'utilisation que République dominicaine fait de lui. Il y a une étude que Guy Bernadotte fait. Dans l'autre étude, nous cherchons à occuper Haroldo Di Alfonso fait. Haroldo Di Alfonso dit que République dominicaine fait tellement ouvrage sur la rivière Massacre qui sont cours de transfrontalier. En parlant de ça, pour nous retirer à faire 2 km, il y a bien tout le monde qui compte Massacre. Qu'on voit là, mais comme ça, Massacre fait frontière avec la République dominicaine sur plusieurs, bon, plus de 10 km frontière seulement, sans compter que Massacre est côté l'entrée sur le territoire national là, lui seul. Ça veut dire que ça, quand dit, et côté le fait frontière là, eh bien, il appartenait à part égale entre Haïti et République dominicaine. Ça, factuellement, c'est faux. Mais Haroldo Di Alfonso dit que République dominicaine fait un usage qui est tellement abusif de la rivière Massacre depuis 2014, que Haïti, pour mon privé, il ne peut même trouver de l'eau pour qu'il fasse développement la caille. Et pour me répondre sans dire Dieu seul et Johnny Ferdinand, nous ne pouvons jamais voir l'État, pendant que tout ouvrage ça au cap fait là, pour qu'il camper pour dire que un besoin d'information, deux, est-ce que ça n'a fait, c'est ça que l'on utilisation équitable. Parce que c'est ça que droit international, la grand principe droit international fluvial et la dit. Et c'est ça que le traité bilatéral a dit. C'est ressources en nos communes, ressources en nos partagées. Ça veut dire que ou pas gain droit à prendre plus la donne, ou tellement prendre la donne qu'on empêche moi-même de me trouver pour me faire développement. Et regardez ce qui a passé là. Pendant que la République dominicaine a parlé, la décision que le président Abinadel prend sur ben passé là, il dit clairement que il prend le reprend certains travaux. Et depuis hier, il y a un gros canal qui était abandonné du côté dominicain, et bien il y a un gros canal, il y a fait prise d'eau sans information. Ça est une dépense environnementale. Il y a un bagage, il y a levé un matin, il y a un deal, et puis dans demain, il y a commencé. De quoi on parle? Ok. M. Florent, dans la déclaration conjointe, nous avons un engagement de parti qui parlait de possibilité de une assistance technique à l'échelle internationale si jamais deux pays même ont dépassé par les événements. Et dans prise de position qui gagne dans l'ONU sur question ça, ni Abinadel ni l'autre acteur pas écarté possibilité pour une médiation de l'ONU. Si nous référons à la conclusion rapport ministère agriculture aujourd'hui là, d'après où qui ça élément de base ou éventuelle médiation communauté internationale a dû y bon moi-même à bord. Ouais, ça qui passe là avec notre ministre de l'Agriculture là. Pour moi-même, pour qu'on ait question authentifiée ou pas, mais par rapport à tout ce qui est distribué, je crois que nous serons notre authentique. D'après source d'information, c'est un bagage qui tue partie haïtienne. C'est un bagage qui démonte tout ça que nous avons fait déjà, tout effort nous, pour que nous défendions première et unique prise la prise sur la rivière Massacre là. Mais cependant, parfois, il faut que nous connaissions l'arbitrage international, la médiation internationale là, les capis utile nous encore que position ça que monsieur lui apprend. Et d'accord, il faut arriver là. Johnny m'a bonne histoire, ma faute histoire tout petit en 2 minutes. Est-ce qu'on connaît? C'est tout le temps que l'État haïtien a fait peuple frontière là ça. En 1937,
Tout Rio tué 30 000, entre 20 à 30 000 Haïtiens en 3 jours, du 2 au 4 octobre 1937. L'humanité entière a campé pour nous. Comme député américain qui était même demandé au gouvernement américain pour rompre les relations diplomatiques avec la République dominicaine. Il y a des pays qui mettent ensemble, il y avait le Mexique, les États-Unis, qui disent qu'ils sont venus pour essayer de résoudre ça, pour que la République dominicaine connaisse Toli, parce que ça, son génocide, son crime contre l'humanité. Est-ce qu'on s'est passé? Eh bien, pendant que tout le pays dans le monde a gourmé pour nous, eh bien, président Vincent, avec président Trujillo, par le biais de ministre des Affaires étrangères, et qu'on note, pour dire, on demande pour personne ne pas rentrer dans la cause à deux bons amis, deux frères. Président Estenio Vincent à président Trujillo. Et après qui ça gagne, ils viennent passer un accord, ils font le monde saisir. Pendant tout qu'on a pas le coup pour Haïti, ils ont passé des accords, ils ont les accords de la honte, côté que la République dominicaine paye 750 000 dollars américains pour 30 000 Haïtiens qui ont tué. Et à la fin, ils n'ont pas même payé toutes 750 000 et 600 000 dollars, ça veut dire que les Haïtiens ne payent pas 25 dollars américains. Mais prix aux Haïtiens. Ce n'est pas qu'on y a que l'État ça a fait ça. Ce n'est pas qu'on y a que l'État ça a abandonné la population, a pas défendre l'intérêt qui est propre à nous-mêmes. Moi, je pense que ouais, aujourd'hui, là, l'État ici, son gouvernement, doit une explication au pays. Même au bénéfice du doute toujours. Je dois une explication au pays. Mm-hmm. Parce que nous avons des documents officiels que nous avons avec le République dominicaine qui reconnaît que nous devons faire canal là. Avec notre saïoa. Le gouvernement haïtien doit des explications au peuple haïtien. Et le gouvernement haïtien doit devoir tout pour que prenne la parole, pour que fasse songer dans la vérité que ce travail, c'est l'œuvre du gouvernement haïtien. On comprend que exaspéré, fâché, planteur au niveau de Plaine Marie-Barreau, approprié ouvrage-là, mais ça pour l'État a dit, c'est que comme son ouvrage technique, que peut-être nous avons manqué les moyens. Que l'État vienne pour le réapproprier le travail là, pour que le travail là fait de manière conforme. Mais le regarder, discours qui gagne, discours officieux au niveau du ministère avec discours République dominicaine, c'est deux discours qui semblaient, ou à son seul côté écrit. Voilà. Merci un pile, Chamètre. Merci, guerrier. Merci, Johnny. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a, c'est Dr. Claude Joseph. Maintenant, c'est Dr. Claude Joseph, c'est. Et on va parler de Maître Souffrant. Souffrant qui t'a parlé, qui vraiment t'a parlé en connaissance de cause. Qu'on y a nous pas le temps d'intervention Docteur Claude Joseph. Tu as fait dans mes cours à Radio-Télévision Caraïbe, qui est extrêmement important pour que moi-même je participe à le partager ensemble avec nous. Parce que c'est un dossier que côté que président Jovenel Moïse te responsabilisé Docteur Claude Joseph là-dedans pour te faire suivi de lui sur le plan diplomatique. Et Goumen ça, Claude Joseph te représente Haïti valablement. Devant la République dominicaine et discuter. Discussion était bien faite et quelque part qui te joigne des résolutions. Ok? Et te gagne en tant qu'il te joigne. Mais malheureusement, n'a eu assassiné le président, Dr. Claude Joseph vient pas là, vient pas gagner pouvoir. Eh bien, normalement, ça vient passer, j'en aurais passé là et que le peuple là en face à une situation sans pareil avec un pouvoir sanguiné, un pouvoir gang, un pouvoir tué, un pouvoir criminel. Ok? Qui met tête ensemble avec un autre état criminel. Qui implique l'assassinat du président, évidemment, parce qu'il faut que nous clésions ça. Et bien, effectivement, en entendant le docteur Claude Joseph qui pral répondre à une question, Johnny Ferdinand et guerrier Dieu seul. Harry Fleurant, lui-même qui est avocat dans le barreau Fort Liberté, mais il a gagné un doctorat en droit environnemental. Oui, merci beaucoup. Et il était dans la rencontre qui était faite en mai 2021. C'est 27 mai 2021, qui a pris abouti à la déclaration conjointe là. Et il était représenté ambassade d'Haïti. Dans rencontre ça au niveau de la partie haïtienne. Donc avec Linda BC garder genèse question mais du coup passer en revue sur les dernières positions ministère de agriculture à travers note de situation ça sous et canal irrigation ça qui a construit au niveau de la rivière Massac dans le Despaya voilà mes guerriers. Très bien et dans intervention maître Florent li précisé 27 mai 2021 par visioconférence autorité qui était l'ouvri séance là c'était ministre affaires étrangères à l'époque là on a parlé de docteur Claude Joseph et que nous avons un privilège gain avec nous dans studio matin pour probablement retourner sous raconte ça, parler de dossier et pourquoi pas qu'on ait une position sous ça. Docteur Claude Joseph, bonjour. Nous comptons au matin dans le studio Caraïbes FM.
Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. Merci pour l'invitation qui était moins et saluer et de façon spéciale et auditeur à auditrice et puis internaute et cap gardé étant nous là matin hein, et c'est un plaisir pour moi avec nous. Merci. Nous peut-être autant de bon parti dans l'intervention Maître Ferrand qui rappelait que vous était intervenu par visioconférence dans le cadre des rencontres ça qui était débouché sous signature conjointe de documents ça on retournait sous projet à sous rencontre ça signature document qui ça peut-être mettre l'ambli elle pas dit qui ça qu'on capable dire pour renforcer pour bon, l'intervention bon d'abord c'est son dossier et tout le monde connaît qui position que moi alors faut me dire que me à la fois ministre affaires étrangères et premier ministre okay, l'homme de gain deux chapeaux okay. Dans moment et c'est un dossier qui était cher à gouvernement que moi t'as dirigé à et son dossier qui était important pour l'administration et Jovenel Joseph là. Et c'est pour ça que moi j'ai joué un rôle extrêmement important. Alors d'abord, et sous question de document ça, faut me dire que l'équipe technique est toujours pour une forme, vision et position ministre avec premier ministre. C'est-à-dire que sous grand premier ministre ou bien un ministre affaires étrangères qui pour dossier avancé, qui pour canal d'irrigation qui a arrosé 3000 hectares de terre en bas pleine Mariba ou a fait, eh bien, on a besoin de techniciens qui ont même bas des recommandations techniques en faveur ça. Par exemple, moi et Maître Florence, cité non Carly, Jean Jeune, puisque Carly connaît une position claire sur dossier. Et République Dominicaine, mais particulièrement sur question canal ça, eh bien, recommandation technique que le fait, des présentations par rapport à primature, il était montré que Dominicain, yo vraiment, et n'est capable de dire pas en droit, que nous-mêmes, nous respectons le traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage que nous signons le 20 février 1929. Donc, nous sommes en droit, nous, pour nous faire. Travail ça. Et Carly est venu avec vraiment, et je suis capable de dire des recommandations pour nous avancer. Puisque, évidemment, moi-même, sans recommandation, je crois que faut que nous avancer. Parce que je déjà connais Dominicain, je prends 11 prises sur le canal là. Il va dire que je suis informé. Et là, je suis tombé des nues. Je suis regardé le document ça. Et entrée de jeu, le document ça dit que le travail là pas approprié. Donc, le travail n'a fait. Sous rivière Massacre, il y en a pour prier. Alors, ce que c'est même technicien ça, c'est sous même site web ministère agriculture, gagné jusqu'à maintenant, là, d'ailleurs, même partagé sous page Twitter, moi, X, qui dit que n'ont pas violé traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage. C'est pour me dire que technicien au point forme, gouvernement, mais son fin il a servi alors cherche à vivre puisque expert, donc c'est puisque Ariel Henry premier ministre et gouvernement ça dans son ensemble il y a pas pour travail la fête il y a pas pour travail la fête donc il a cherché des recommandations techniques mais plus que ça hein, plus que ça dans rapport gouvernement ça avec la République dominicaine moins certain que c'est conseil entendu pour gouvernement haïtien caché derrière des recommandations techniques. C'est-à-dire que en d'autres termes, gouvernement ça qui était déjà dit Ariel dit plusieurs reprises. Moi t'as souhaité que nous rappelions de lettre que écrit alors m'ai une lettre là et m'a quitté une copie pour nous peut-être sinon pas de gain. De l'être ça, moi écrit Ariel Henry le 19 novembre 2021. L'être ça, moi des ministres affaires étrangères. Puisque moi remarqué que Ariel Henry pas comprendre le dossier, moi écrit une lettre pour m'expliquer le dossier. Pour moi dire que faut gouvernement Paula pas camper travail là sous injonction en pays étranger. On dit 19 novembre, non? 19 novembre 2021.
D'accord? Donc, m'a sorti d'accord. Okay. Laisse ça, moi, t'es ministre des Affaires étrangères. Okay. Et m'a fait devoir pour m'expliquer à Ariel Henry qui ça travaille là, pour qui ça n'a pas de quitter, mais qui avance qui fait, mais qui avance diplomatique qui fait. Effectivement, qu'on avance diplomatique qui était fait. Le 27 mai, qu'on est, M. Florence Odile Daleur, nous signons avec la République dominicaine une déclaration conjointe côté deux parties reconnaître que nous pas fait une déviation de loi. Donc, son prise tout simplement qui pourrait permettre que nous irriguer. Et puis ça, il exige seulement 1,5 m3 d'eau par seconde qui équivaut à 20,33% débit annuel moyen rivière. Et Pigo Institut ou bien autorité dans la question gestion de l'eau en République dominicaine reconnaît tout. Même si nous avons deux fois ça, c'est-à-dire même si nous avons 3 mètres cubes d'eau par seconde, qui équivaut à 40,65% débit annuel moyen de l'eau, n'a toujours extrait bibiti que République dominicaine. Rapport Institut national des ressources hydrauliques en République dominicaine li dit encore que 70% terre agricole qui utilisait rivière Massacre là situé en amont du travail n'a fait. C'est-à-dire que pas un impact réel. Donc j'aime ce dit tout à l'heure nous fait un des ministres affaires étrangères premier ministre nous fait on nous avancer significativement sur le dossier ça et après déclaration conjointe là et même après déclaration conjointe là revient écrire encore pour demander nous camper travail là et tout le monde songe qui position et dans la presse haïtienne et dans la presse dominicaine l'aime des premier ministre nous dit non nous fin si on déclaration conjointe nous pas gain pour nous camper travail là et écrit Roberto Alvarez qui c'est ministre des Affaires étrangères pour me dire que m'ta remet que ou songe que rivière massacre témoin de événements douloureux pour deux peuples et ça c'est soulevé suite à toute considération technique pour me dire que nous pas camper travail là n'a pas avancé donc c'est pour me dire que le moment moi t'es premier ministre l'aime des ministres des Affaires étrangères travail ça li t'a avancé jusqu'à ce que 7 février 7 juillet alors et président Jovenel Moïse assassiné et gouvernement dominicain hein, ensuite pour faire injonction sur gouvernement Ariel Henry pour camper travail là alors m'a rappelé que c'est Claude Joseph qui a parlé ancien premier ministre ancien ministre des affaires étrangères qui vraiment connaît des dossiers là parler dossier canal ça dossier rivière ça dossier prix ça que n'a prince sauver massacre là qui était commencé par président Jovenel Moïse et qui devine malheureusement campé le 7 juillet 2021 on prend le temps de déclaration que monsieur pour le faire là monsieur pour le dire même gouvernement dominicain écrit gouvernement haïtien le 7 juillet 2021 après assassinat Jovenel Moïse tendez bien oui après assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Ou pas le temps de causer? Par là, grave, oui. Appelle docteur Claude Joseph. 7 février, pas 7, 7 juillet. 7 juillet 2021. C'est date ça, je considère guerrier que travail au campé officiellement. Nous avons essayé de comprendre, il y a de cela, 2 semaines guerrier. Est-ce que c'est un arrêt circonstanciel par rapport avec la mort président, donc tout le monde pas attendre à ça, et automatiquement, une série de chantiers qui décampé. Ou bien, c'est le gouvernement qui est venu monter, qui te recevoir, je vous dis là, injonction en main, homologue au niveau de la Dominicaine pour camper travail. Nous voulons ça clair pour la République. Très bien. D'abord, je nous dis, travail là, depuis date, nous sommes dit à l'heure, il y a une date qui est extrêmement importante, une date qui est 5 mai, côté que m'écrit Roberto Alvarez. Pour Mandel, il est important pour nous faire une table, pour nous rencontrer sur question, hein, pour nous faire partage d'informations. Le 27, nous faisons partage d'informations, yo, nous signons une déclaration conjointe là. D'accord? Et ensuite, en juin, supposé 8 jours ou 10 jours après, il a écrit nous. Pour dire nous supposons camper travail là. Le 11 ou le 12 juin,
nous-mêmes nous écrivons pour nous dire nous pas camper travail là et nous se rappeler et qui ça me dit faire des considérations techniques et rappeler que Rivière Massacre témoin de événements douloureux pour deux peuples en fait pour Haïti en particulier donc nous souhaitons que nous épargner Haïti de ou ensemble de questions maintenant travail a continué mm-hmm. 7 juillet passé nous consonger événement gen on lettre ambassade et haïtienne li recevoir ambassade nou ki en République Dominicaine li recevoir 7 juillet exactement de la chancellerie dominicaine date assassinat 7 juillet exactement document là m'm ka partager avec nous qui mandé encore pour nous camper travail là bon évidemment après 7 juillet nous connaît que toute bagaille gon pause mais ça va le dire travail à camper travail à va venir camper sérieusement les premier ministre Ariel Henry monté et lui même ni croit que lui pas comprendre bagaille ça et thèse Ariel Henry c'est que c'est un travail qu'a fait pour un petit groupe monde qu'a bénéficié exclusivement un petit groupe monde c'est pas travail l'état haïtien et qui est-ce qui alimenté Ariel Henry dans information ça yo c'est toujours la Dominicaine. C'est toujours la Dominicaine. Donc, il fait quoi que, Dominicain ou fait quoi que, travail ça, c'est pas travail haïtien. Et c'est même élément de la gaye ça, que Dominicain ou te gagne, l'MD premier ministre. Moi, songe, moi, se vois un appel de Roberto Alvarez, qui dit, même si nous finissons signer document conjoint ou bien déclaration conjointe ça, yo gagne information qui dit yo, que c'est pas un projet l'État, c'est un projet individuel. Donc c'est pas la première fois il y a pas les paroles ça, dans dernier notre conseil de sécurité on dit ça. Et moi dit yo que c'est un travail l'État, nous partager information avec yo, nous partager projet, nous partager information yo. Et c'est même information ça parce que pas oublier nous gagnons présentement un gouvernement après 2 ans au pouvoir qui gagne un bilan catastrophique qui pas gagne résultat du tout qui fait que son gouvernement décrié impopulaire illégitime base légitime gouvernement Ariel Henry c'est communauté internationale là et particulièrement République Dominicaine qui offre tête comme un allié pour Ariel Henry donc dans ça pratique gouvernement ça c'est appuyer et bailler raison à République Dominicaine dans tout dossier qui gagne à ouais à Haïti et c'est le cas particulièrement pour canal irrigation sur rivière Massacre donc pour gouvernement ça gouvernement dominicain hein, c'est yo qui gagne raison c'est haïtien yo qui entend et là il fut un temps tout le monde pensait que c'est moi qui t'ai dit ça. Jusqu'à ce que document, ça a dehors, document gouvernement voyé by gouvernement dominicain pour dire que, écoutez, travail là inapproprié. En d'autres termes, Ariel Henry m'a dit pour camper travail là sous Rivière Massacre. Parce que ça nous pas en droit pour nous avancer. C'est ça le mandat. Et moi-même, moi, je suis en train de ça. Pas oublier que sous bataille avec la République Dominicaine, moi, en avance de phase, et même s'il fut un temps, j'ai gagné un moment d'incompréhension. Le 19 novembre 2021, moi, écrit pour le ministre Ariel Henry, le samedi, ministre Affaires étrangères, moi-même, comme ministre Affaires étrangères dans le gouvernement, pour moi, rappeler la nécessité de travail là, et pour qui ça, nous devons continuer. Et l'être ça a d'abord coûté très cher. Parce que un l'être ça a joué Dominicain. Mm-hmm. Imaginons l'être moins voyé par le premier ministre. 2 jours après, Dominicain a mis le dehors. Et tout de suite après que je quitte le gouvernement, Dominicain a mis une liste avec des bandits pour déclarer une personne non grata. Et de fait, Dominicain, pour question Rivière Massacre là. Pour bataille contre ultranationaliste raciste dominicain qui voulait faire Haïti tourner ti la coude la caillou yo déclaré comme ennemi numéro 1 dominicain. Quoique
moi-même, position comme ministre des Affaires étrangères, comme premier ministre, moi, je défends les intérêts supérieurs de la nation. Et tout le monde connaît qui position que je gagne, l'MT premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et ça, de ce rivière massacre-là, il montre qui ça? Il montre effectivement volonté hégémonique dominicain, yo, c'est pour faire Haïti tourner ti la coude la caillou, arrière couyo économiquement. Parce que ou pas gain droit, gain un canal d'irrigation cap arroser 3000 hectares de terre en bas plein Maribaou pour permettre paysan yo gagner une sorte de autosuffisance dans sa y a produit. Donc faut que yo dépend constamment de la République dominicaine. Donc moi pense que c'est un bagage qui est extrêmement grave que moi pas jamais raté une occasion pour me dénoncer et l'aime des premiers ministres, l'aime pas premier ministre encore et l'aime des ministres affaires étrangères et l'aime pas ministre affaires étrangères encore. Donc raciste ultranationaliste dominicain yo gon on façon on mode opératoire par rapport à Haïti. Donc il était extrêmement difficile pour un dominicain ou bien pour autorité dominicaine yo joindre un ministre affaires étrangères qui campait devant eux, qui dit yo les quatre vérités. Même mode opératoire, même ça me dit que yo ba un pile menti dans sens que alors si me croit expert que nous parler yo et si me croit document ça tout que au gain à savoir lettre ça qui date 19 novembre 2021 côté au rappeler premier ministre pour que projet ça li continuer et là-dedans ou dit tout que grand affluent rivière Massacre Massaclan à savoir rivière Capoti c'est Jans ou bien oui c'est trois rivières c'est Nantes, rivière Capoti et la Matrie Jean de Nantes et la Matrie voilà et au trouvé yo en Haïti ouais. Alors ce que dans déclaration président dominicain a fait hier et que la Voix de l'Amérique il rapporté il dit que rivière Massaclan prend naissance en République dominicaine et que c'est 2 km seulement qui situait en Haïti. Bon, je dis à Guimpil menti parce que c'est une campagne de mensonges. Mais évidemment, ou pas gagné beaucoup de haïtiens, de monde dans le gouvernement qui est prêt pour faire face carré ou bien pour démentir campagne ça. Parce que j'en ai qu'on habitué à faire moi-même personnellement, l'MT premier ministre. Je vais oublier, je vais rater une occasion. Chaque fois, il fait ça pour nous démentir. Mais il faut nous songer que nous-mêmes, au niveau. Ministère des Affaires étrangères ou bien l'MT premier ministre, toujours utiliser voie dialogue, voie diplomatique. Mais, équitez-moi, gagnez un malentendu, et je pense que c'est à dessein, mais un malentendu. Dans l'opinion publique dominicaine, rivière Massacre sont rivières dominicaines et sont rivières exclusivement dominicaines. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est ça que vous faites. Ouais. Or, et j'en m'en rappelé pour le ministre là, trois grands affluents rivière ça, qui c'est rivière Jean de Nantes, rivière La Matrie, rivière Capoti, c'est des rivières haïtiennes. Et son rivière qui serpentait frontière là, ça veut dire entre Haïti et la République dominicaine. Donc son véritable ressource en eau partagée qui régit par le traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage. Donc c'est un bagage qui pour nous deux. Et puisque pour nous deux, nous supposons faire une utilisation juste et équitable de rivière ça. Une utilisation juste et équitable, ça veut dire les maps utilisées, le mbadou dévile. D'accord, mbadou dévile de loi. Équitable veut dire autant de fois que vous prenez sous lui, vous prenez sous lui tout. Donc comme vous gagnez plus que 10 prises sous lui, Haïti t'a supposé gagner les mêmes tout. Plus que 10 prises sur les 11. D'accord? Donc, ça pour nous-mêmes, les fondamentales. Et toute campagne, ça, il faut me rappeler, nous, toute campagne, ça, moi, fait depuis le premier ministre. Toute information que nous avons comme élément de langage, je dis, c'est moi-même qui ai le courage pour me parler dans la radio et la télévision. Pendant le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Toute information sur Rivière. Toute bataille qui a fait pour aujourd'hui à nous parler de rivière massacre ou bien pour nous parler de prison, c'est parce que nous avons courage comme premier ministre. Parce que nous recevons en pile pression. Nous avons pu comprendre pression que nous recevons, c'est le gain
de, par exemple, position que me prend, les Abinadel campé en porte-parole Lilla et président Lilla, moi dénoncé dans forum international yo. Et ça va le coûter mon pile ennui. Ça va le coûter mon pile ennui, pas oublier les proposition ça. Premier ministre envoyé Daniel Suplice a demandé pardon en République dominicaine. Parce que yo estimé que moi dérespecté les dominicains. Parce que me dit un, Abinadel n'est pas le président de l'île. Il n'est pas capable de parler dans tout forum international pour Haïti. Parce que me dit que Abinadel utilisait question d'insécurité et problème Haïti pour faire des capitales politiques. Aussi, en République dominicaine, il y a insécurité. Donc, à ce moment, il vient créer une sorte d'incident ou bien un problème diplomatique. Le Premier ministre envoie Daniel Suplice en République dominicaine rencontrer Roberto Alvarez et éventuellement Abinadel pour leur dire écoutez, monsieur pas parler pour nous, c'est bagaille pas la régler. Excusez-nous. C'est même bagaille faire là pour excusez, la construction. Évidemment, excusez-nous. Et les Daniel Suplice retourne à Haïti. Il fait une déclaration au niveau de la primature pour dire que nous pas capable régler cause yo sous réseaux sociaux. Alors que Abinadel lit déclaration lieu sur Twitter, lieu sur tout côté. Donc c'est pour me dire que moi t'es en avance et moi t'es vivre un moment d'incompréhension de la part de pour la plupart des détracteurs politiques qui pas jamais d'accord avec moi, c'est pas grave. D'accord, mais moi j'ai assumé position et j'ai eu courage, conviction, j'ai dénoncé le racisme et l'ultranationalisme qui voulait faire Haïti tourner arrière couyo. Et c'est dans toute dimension ça. C'est dans toute dimension ça. D'accord. Johnny, avant poser question, ben moi préciser parce que là j'ai parlé avec agronome Dieudonné des hommes qui était recevoir dans espace là qui effectivement répété ça docteur Claude Joseph Sodila, il dit rivière Capoti à rivière Jean de Nantes comme affluent le plus important de la rivière Massac, yo chaque poté environ 4 mètres cubes par seconde comme débit d'écoulement. Alors ce que l'autre ruisseau en République dominicaine qui a la rivière Massaclan n'est pas même poté pas plus que 1 mètre cube par seconde. Donc, rivière Massaclan vaut sale voie en termes de débit, c'est affluent Sayo qui sous territoire d'Haïtia qui fait. Effectivement. Et voilà que citoyen, on a parlé de président dominicain, lui-même lui dit c'est 2 km seulement qui trouvent sous tête d'Haïti, ça veut dire toute rivière c'est sous République dominicaine liée, donc c'est pour lui rivière. OK. Bon, sa population de connaît c'est que l'île c'est pour compte lui et en principe je dis à ministère agriculture qui met d'ouvrage tu es supposé accompagner population pour te finaliser travail là. Puisque pour nous-mêmes faut que travail la fête et pour répondre avec normes techniques. Donc, c'est-à-dire que son population qui laisse pour compter. Donc, il prend des styles. Il prend des styles en main. Nous avons arrivé sur ça, docteur Claude Joseph. Tout à l'heure, on a évoqué en 2021, Dominique a été mandé pour camper et travailler là. Et au même moment, il encore ministre des Affaires étrangères à la fois premier ministre. Donc, nous avons dit non, pas de question. Mais maintenant, étant donné que Luis Abinadel a annoncé que s'il n'est pas campé, la réponse du gouvernement dominicain sera ferme. Est-ce que vous autres, au niveau de pouvoir d'alors là qui gagne ou même comme premier ministre affaires étrangères et puis Jovenel Moïse comme président nous pas de anticiper pour nous dire si jamais Dominique ou ta haussé le ton nous même mais en sens n'a pas avancé dans qui ça n'a pas orienté et tout ça qu'on va faire après. Bon, nous même nous t'ai pensé que c'est une campagne d'intimidation, de provocation. Nous t'ai du côté des principes et du côté du droit. Et nous-mêmes, nous pensons que nous t'ai dit, nous avons continué le travail là, et qu'on a fait des déclarations même pour nous dire que nous avons continué le travail là. Et Dominique, nous avons position. Dominique, nous avons position. Et nous avons avancé avec le travail là. Et nous-mêmes, nous n'avons pas gagné pour nous anticiper. Parce que nous connaissons que Dominique qui a fait toutes ces affaires là, il n'est pas capable de venir et envahir côté haïtien. Parce que nous, du côté du droit, il reconnaît ça. Et malheureusement pour yo,
et dans quatre campagnes Abinadel a fait pour montrer que c'est le monde qui plus raï haïtien parmi les candidats qui raï haïtien, parce que là faut nous comprendre dynamique électorale en République dominicaine. Les moments élection yo, c'est qui est-ce qui plus raï haïtien pour yo capable gagner vote ultra nationaliste. D'accord, exactement. Malheureusement, yo pas anticipé yo même si m'tap publié déclaration conjointe là. Parce que c'est moi publié déclaration conjointe là. Et l'aime fin publié déclaration conjointe là. L'opinion publique dominicaine vient totalement différent. Ça veut dire moi fais un effet dans l'opinion publique, pas oublier que n'importe bagaille que moi écrit sous cause ça, tout journaux dominicain publié net. Donc l'aime publié déclaration conjointe là, les reproduit dans tout journal dominicain. Et maintenant qu'on y a, Abinadel vient dans une situation qui est plus difficile. Parti qui en face commence à comprendre, il y a une utilisation politique et manipulation de l'opinion publique dominicaine qu'a fait. Puisque deux partis, à savoir la République dominicaine et Haïti, étaient d'accord dans la déclaration conjointe là pour nous faire travailler là, puisque travail là par une déviation de l'eau. Ça veut dire qu'il t'a pris en contravention avec traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage. Là. Donc, nous t'a pas avancé. Donc, l'envie de publier déclaration conjointe, ça, moi senti que gagné un mal, je senti qu'il fait, pas vrai, dans l'opinion publique et en pile monde en République dominicaine, commencer à comprendre. Je commence à comprendre que même Jean Institut National, des ressources hydrauliques qui ont même été dit, conflit ça que Abinadel a essayé tant main avec Haïti, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est pas véritablement un conflit. C'est profiter de une petite situation côté que il y a environ 20 000 paysans qui pourraient bénéficier d'un canal d'irrigation qui pas dévier de l'eau pour monde qui dans d'abonnio. Donc, tout le monde connaît effectivement pas un conflit. Pas une situation pour interpeller un président qui descend ni aussi bas, qui fait des démonstrations, hélicoptères, chars de guerre, etc., dans un pays qui n'a pas l'armée, dans un pays qui est dans une situation qui est extrêmement difficile. Donc, tout le monde voit, c'est dans une dynamique de campagne que Abinadel y est. Donc, c'est pas une question de l'eau. D'ailleurs, Abinadel ne comprend même pas cette problématique. Abinadel va comprendre la problématique là. C'est pour montrer nous que, d'ailleurs, première considération que nous devons faire, les nous finissons signer une déclaration conjointe là, je n'ai pas besoin de dire là, pour ne pas peut-être mettre eux-mêmes dans une situation difficile. Les nous finissons signer une déclaration conjointe là, c'est ultranationaliste qui a fait pression sur le gouvernement. Qui fait que Roberto Alvarez vient obligé relim dans téléphone. Pour le dire, d'ailleurs, moi gagné. Tout ça que qu'on écrit sous lui en République dominicaine, yo commencé dit que Roberto Alvarez sont traite. Le ministre des Affaires étrangères dominicaine de la République dominicaine. Ouais. Yo dit monsieur sont traite puisque il accepté si on telle déclaration. Qu'on y a sous pression raciste à culte nationaliste, gouvernement dominicain fait back. D'ailleurs, dans tous les journaux, moi, j'ai jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est, pour la plupart, c'est livré moi sur téléphone. Moi, mais comment il a traité? Et puis, il dit que l'ultranationaliste, il dit, c'est un travail qui a bénéficié aux sénateurs dans la zone. Nous pourrons aller observer pose drapeau. Après, nous pourrons retourner. Nous pourrons appeler Mounio. Nous pourrons recevoir dans l'espace là, matin, docteur Claude Joseph. C'est pour le ministre Claude Joseph, effectivement, qui est dans le micro Radio-Télévision Caraïbes. Et cap expliquer et point ça qui est extrêmement important pour la République qu'on est arrogant et on est qui radical c'est comme ça bon qu'on est après même pas ministre encore il vient mettre dans liste pour décréter une persona non grata yo considéré comme ennemi numéro 1 des dominicains. Bon, c'est pas le cas parce que moi-même moi pas ennemi numéro 1 dominicain, moi plutôt ennemi numéro 1 raciste ultranationaliste dominicain qui voulait faire Haïti tourner arrière couille qui donc tire la coude et la caillou. Mais m'a fait nous songer que dans la République dominicaine
on était fait un discours pendant la République dominicaine. Ultranationaliste te demandé pour décréter déclarer persona non grata même pendant la République dominicaine. Parce que dans discours devant toute la presse dominicaine, moi t'ai demandé pour président Abinadel et Roberto Alvarez si effectivement vous voulez gagner bon genre relation avec Haïti, même Haïti voulait gagner bon genre relation avec yo, suspendre parler Haïti à haïtien mal dans discours officiel yo. Bah ça t'est fait on tolé en République dominicaine. Et c'est dans demain Abinadel te de recevoir dans palais. Il va recevoir. Les recevoir. Les recevoir dans palais et m'te réitérer même position. Nan réunion ça te gen moi-même. Te gen Abinadel, te gen Roberto Alvarez et puis te gen Smith Augustin, ambassadeur d'Haïti. Ambassadeur non. Et yon fòm di c'est un excellent ambassadeur, jeune. Yon nan pi jeune ambassadeur mais extrêmement excellent, brillant. Et monsieur Augustin moi t'ai rivé dans parler à même et sans discussion c'était dit nous apprécier rapport que nous gagnons avec République dominicaine mais nous penser que Haïti pas de faire objet dans discours officiel de campagne que soit Abinadel ou bien de l'autre monde a mené. Et m'a pas senti que Abinadel était content et n'a pas songé que dans rencontre ça j'aime t'ai entré pas comme ça me sorti. Moi rentré par la grande porte. Les m'a sorti m'a dit est-ce que me ca sorti par en bas. Il m'a dit est-ce que me capable sorti par en bas pour me pas passer devant la presse pour par conséquent m'a dit qui ça me discuter en dedans. Parce que me t'ai kembé même position. Ça qui est fait. Quand on passe. Ah même passer par en bas. C'est ça on te dit parce que me pas capable passer par là. M'obligé passer par en bas, machine nous vienne prendre nous dans garage là. Bon nous t'ai entendre nous sur ça parce que et peut-être c'est pour me sauver. Pour te permettre que le gouvernement, l'État dominicain sauve la face, puisque mon ministre des Affaires étrangères vient dans le pays et il recevoit, mais il dit les quatre vérités. Il dit les quatre vérités. Moi, je dis, et dans le discours, ça, et fait publié, tout journal dominicain est publié, au point que Dominicain a demandé pendant le pays pour déclarer un personnel non grata. Donc, c'est pour me dire que dans la pratique, rapport avec la République dominicaine, moi, toujours respecté. Et utiliser la voie diplomatique. Nous sommes capables de continuer le travail là, sous Rivière Massacre là. En fait, gagner un ensemble de correspondances. 26 gont incident produit. Le 27 avril, gagner une correspondance comme je le 5 mai, on répond. Le 27 mai, nous chitons ensemble, nous signons une déclaration conjointe. Moi, utiliser la voie diplomatique dans la bataille ça pour le canal là. Et nous gagnons. Je dis à son recul diplomatique qu'a fait. Puisque nous avançons déjà, engagement, déclaration conjointe dans clair, que Haïti est capable de faire travail là. Et fort heureusement, je n'ai qu'à dire contre toute attente, bon côté gouvernement dominicain, moi publié déclaration conjointe ça qui était dans le tiroir. Que le monde ne peut pas parler de lui. L'aime publié, toute l'opinion publique dominicaine vient clair que effectivement, nous t'es déjà avancé ce gouvernement Pamelin, son recul qui fait et Dominicain au prendre droit pour faire ça faire. Johnny, alors ça me pas fait comprendre dans notre de situation que ça quelque chose bay pour le ministre Ariel Henry et qui a rejoint Dominicain, il reconnaît que en 2021 effectivement, tu as gagné une déclaration conjointe secrétariat technique commission mixte haïtiano dominicaine dans tes signes. OK? Côté et tu reconnais tu yon bon que travail prise là pas gain aucun incident sous rivière là. OK, et yon l'autre bord yo té privilégié voie dialogue et création table technique pour yon meilleure compréhension de travail qui a réalisé dans zone frontière là dans cadre sous commission mix agriculture et environnement. Donc on a pas comprendre qui côté expertise ça sorti lui-même qui est-ce qui a le fait contre expertise ça qui fait que jodi même ministère qui a changé de position. Bon, je vais essence de ça. Travail. Je vais te poser une question qui va permettre de enchaîner avec ça. Parfait. Moi, je voulais demander au docteur Joseph et je dis à qui sont pensés, qui t'a lui fait comme ancien haut fonctionnaire dans l'État haïtien, ancien chancelier, et qui était très impliqué, souvenir 2021, dans la question ça.
tout le monde d'accord. On a parlé tout le monde qui a bon sens, qui mettait émotion, euphorie de côté, que nous avons besoin d'assistance technique et scientifique pour le projet avancer. Mais quand il y a là, qui sont pensées qui t'a dû être fait, qui comportement pensée, autorité. Bon, comportement autorité, il a affiché déjà Johnny, il a montré les, c'est campé bon côté la Dominicanie pour que nous ayons empêché nous faire canal là. Et où la Dominicanie montrer hostilité li, agressivité li à travers l'armée, exposition et tout arsenal zamni et en face nous-mêmes comme peuple qui pas gagne l'armée, mais bien que justement nous-mêmes guerre en combat et résultat dans tête nous déjà, et ça veut dire que nous sommes peuple qui guerrier et un peuple guerrier, un peuple qui croit dans bataille, un peuple combattant. Ça veut dire que nous pas gagner pour une peur, nous avons engagement, nous avons responsabilité et que n'a continuer prendre lancer canal la pape camper peuple haïtien, n'a continuer combat ça et pas gain campé, pas gain campé du tout. Son engagement que nous prend, son responsabilité qu'il y a, canal là pas campé. Moi remet nous en pile, son plaisir vraiment pour m'té ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse chaque grand nano qui t'attendait et garde émission. Que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous. Que belle la balague.